Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Alors, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait fait l'autre fois. Et donc, on va se faire notre petite route sympathique. Alors, je vois ici qu'on avait une sortie et puis une double route. On pourrait agrandir en quatre voies, je crois. Ici, je vois qu'il y a quatre voies. Pourrait augmenter ça au moins comme ça. Voilà. Donc l'idée c'était on fait comme ça et on tire. Alors est-ce que deux voies c'est bien, je crois. Ou est-ce qu'il faut utiliser un gros truc comme ça? C'est sympa aussi comme ça. Hein. C'est-à-dire pas de demi-tour non plus. Ah. Et on est sur une zone industrielle. Et en même temps, on va laisser comme ça. Oui, je sais, je dépense de l'argent, mais on en a quand même pas mal, donc autant en profiter. Alors, je vais juste retoucher un peu ici. On rendra ça plus joli après, hein. On aplatira le tout, mais là pour le moment c'est un peu en mode. On bouge, vous voyez, on va faire un truc. Un peu plus arrondi comme ça, quoi. Bref. Voilà, et on va transformer. Cette voie-là. Ok, alors ce qu'on va faire, ce qu'on s'était dit, c'est on va prendre ici. On va prendre ça. Et on peut commencer à. Alors. Ce que je vais faire. Faut réussir à. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est on va tirer tout le long un truc ici. Et puis on supprimera au fur et à mesure entre. Ok, et disons. Disons à chaque fois quoi? 20 unités? Alors on va avancer de. 5 unités. Et il va rentrer. Et puis 20 unités. Attendez, est-ce que ça veut dire que. Aïe aïe aïe. Super. On avance de 5. Et de 20. Bon, on va déjà voir un peu comment ça se passe. Donc on supprime là et là. Donc ça nous fait trois belles entrées et à chaque fois on peut faire de l'autre côté aussi. Donc, revenons à nos moutons et surtout à notre usine de vêtements. On peut la mettre donc en plein milieu. Et c'est super, ça donne vraiment bien. Donc ça, je vais juste tourner à chaque fois. Je vais supprimer. On est plutôt bien. Je suis assez content. Ok. On va relier les autoroutes. Histoire de dire que.
Est-ce que ici ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien. C'est cool. Est-ce que là ça se passe toujours bien? Bah, problème d'exportation. On va une fois voir ici tout ce qu'on pourrait mettre. Donc, je sais pas si on avait terminé. On va reprendre ici. On pourrait en fait tout mettre, hein. L'idée c'est qu'à un moment donné on utilise tout. Donc on pourrait tout mettre. La grande question c'est est-ce qu'on utilise de tout ou enfin est-ce qu'on met on met tout ensemble ou non? Genre l'usine de meubles, est-ce qu'on la met en face? Pour être sympa. Ou je la mets ici. Je vais la mettre ici. On va mettre toutes les industries ensemble en fait. Alors par exemple, vous voyez celui-là, je vais sûrement le mettre de l'autre côté. Métaux produits en acier. Donc ouais, lui, il transforme directement. On va activer le tout. C'est pas trop grave. On va juste faire la même chose ici. Alors lui, évidemment, il n'y a pas d'eau ni d'électricité pour le moment. Comme ça. Alors grande question, c'est est-ce qu'on mettrait un peu d'industrie ici dedans pour remplir? Pour être sympa et en même temps ça pourrait peut-être trop remplir. Ah là là, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué, vous avez pu remarquer. Ok. C'est parti. Maintenant, on va tourner le tout. Super. Et ça, je vais le mettre ici parce qu'il n'a pas besoin d'une aussi petite. Enfin, il n'a pas besoin. Vous voyez, ici, il rentre bien, quoi, en gros. Cool. Alors, on va enlever les feux. Parce que je crois qu'ils vont être assez embêtants. Ici, même chose. Les feux là. Quand on peut mettre des feux sur une autoroute. Cool. Il a apporté des choses ici. Super. Et voyez, là, il a tourné. Enfin, franchement, c'est exactement comme je le souhaite. On va voir maintenant si ça a bien fonctionné. Mais regardez-moi cette demande ici, qui est vachement bien. On a une belle grosse demande en tout. Bien. C'est super, c'est super. Alors ici, usine de plastique ménager. On peut le mettre ici. Usine de jouets. Même chose. Alors on va chercher un gros. Ah voilà. Une bonne grosse usine. Et c'est l'usine de limonade en plus. Ah, il lui faut de l'eau. Voilà. Ok. Ben j'espère que ça va amener du monde. En tout cas, ça va faire venir les gens. Alors ici, c'est ça, hein? Il y a bien eu un feu. On est d'accord. Ok, donc ça veut dire que... Est-ce que ici on est rempli? On ne se remplit pas du tout. 1%, c'est rien.
Donc en fait, pour le moment, je crois qu'on ne crée pas assez dans la transformation de bois, pardon, pour vraiment gagner énormément dans tout ce qui est future transformation. Mais ça donne bien, hein. Je crois qu'on peut vraiment. On va voir, on remplira sûrement un peu allez, de verdure. Ça devrait vraiment bien donner. Alors, est-ce que ici il va gagner? Ah oui, métaux, voilà. Lui, il commence à créer à fond. Métaux sont produits par les broyeurs de minerais et fours rotatifs. Donc, ça, apparemment, je les ai. Et ça transforme des produits en acier. Super. Et voilà, on gagne déjà 6400. Ça nous coûte 1400 et ça nous rapporte 6400. Donc, 5000. Franchement, ça vaut le coup. Ok. Super. Problème de bruit. Ah ouais, eux, ils vont mourir du bruit, hein. Oui. Est-ce que tous les autres... Est-ce qu'on crée du verre? Le verre est créé par ici, non? Ouais, le verre est créé ici. Même chose, ici on devrait toucher à ça. Fait 11 minutes. On pourrait un peu toucher à notre zone ici. Vous voyez ici, hein, on fait des métaux, on fait tout ce qui est vert. Et ici, on pourrait entreposer. Ça pourrait être pas mal. Alors, comment j'avais fait ici, c'est ça, hein. J'ai mis une triple voie. Même si une triple voie ne vaut pas vraiment le coup. On peut mettre une double. On teste, hein. Je crois que c'est le mieux. On teste. On va mettre ici donc une double. Alors, moins 10, c'est mort. Enfin. Pourquoi est-ce qu'il veut me faire passer en moins 10? Meteorologists have issued a severe tornado Aïe, warning for aïe, the aïe, area. aïe. Residents should seek shelter immediately if any is D'accord, ça available. déconne en plus. Donc, apparemment, ce serait quand même... Ah, on voit entre guillemets un peu. Ok, donc ça, ça va tuer beaucoup de gens, ça. Ça va tuer beaucoup de gens. Ok, ben on va laisser comme ça, on peut quand même rien faire. Ouais, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas contents? Pas assez de clients. Ça ne tient qu'à vous, hein. C'est quand même sympa, hein. Je suis assez content là de mon petit truc. Même si c'est pas droit. Bref. Alors. Entrepôt. Voilà un entrepôt juste sur le coin. Alors, c'est combien ici de longueur du coup? 14. Voilà. Et... Alors, on devrait être bon, mais je crois que je me suis foiré. Ouais. Donc on n'est pas à celui-là, mais on est à celui-là.
Est-ce que j'ai l'œil ou est-ce que je me suis foiré? Ah bah j'ai l'œil. Assez content de ça. Super. Voilà, et là je mettrais bien... Bah trois voies. Qui va relier vers là. Et puis nouveau ici. En fait, ça sert à rien, je vais rester sur deux voies. Voilà. Donc, on va dire ici que c'est vide et que c'est pour les métaux. Ben, on va dire vert alors, d'abord. Vide et puis métaux, 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 métaux. Super. Super, voilà. En espérant que maintenant ça attire du monde aussi. Que ça désactive tout ça, évidemment. Aïe 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 aïe. A tornado has touched down. Ça va tellement faire mal. Seek shelter immediately if any is available. Allez, on va activer les abris. Aïe 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 aïe. Oh là là, mais ça va tuer mais un milliard de monde. On est à 124 548. On va voir comment ça va se passer à la fin. Alors notre économie va se détruire. Hein. Clairement. Mais bon, il faut continuer, c'est la vie. Oh là là, mais c'est lent quoi ici. En fait, je crois que c'est parce que mon jeu déconne. C'est beaucoup plus long que d'habitude. Hein. Ou est-ce que c'est à cause de la tornade? Mais non, même la tornade est lente. Je crois que mon jeu a du mal à générer tout le bug. On va les faire renvoyer à la maison. Peut-être que c'est ça qui faisait déconner. Ok, non, ils sont tous très lents. Super, super, super. Bon, bah, on va réactiver du coup ici. École, d'accord. Gros problème d'école. Je suppose qu'il y a des écoles qui ont été détruites ici. Aïe, 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 aïe. Bon, ben là, vous avez compris, un prochain épisode va être de récupérer un peu tout ça. Ah, mais attendez, ici, je vois qu'on a... On a tous des trucs, là. Mais ça, on va supprimer. Qu'est-ce que c'est, ça? Complexe de traitement de déchets. D'accord. Ouais, cette petite zone ici est un peu à retravailler, je crois. Ouais. Alors, aïe aïe aïe, c'est en équilibrage. Moi je vais en vide. Et vide. Ah ouais, mais j'avoue, c'est avec la pluie. En fait, c'est tout, c'est la pluie plus ça, ça. Ça fout un énorme bazar. Aïe aïe aïe, on voit par où ça passe. Hein. Je n'ai pas envie de regarder. Je n'ai pas envie. Ah, par contre, si c'est l'électricité qui déconne, ça, ça va pas. Ah bah oui. Ok. Vu que j'ai supprimé tout ça. Alors l'entrée-sortie ici est plutôt bien. Mais pourrait directement se relier vers ici, en fait. Même chose, hein. Je crois qu'on ne produit pas assez de verre et de matériaux bruts, enfin de métaux. Oui, c'est ça, on ne produit pas assez de tout ça. Alors ici apparemment, ah oui, ici la limonade, alors culture et verre, oui, verre c'est pour les bouteilles je suppose.
Mais voilà, regardez, ça me coûte 800, on gagne 3200. Je crois que ça peut être vachement cool. Aïe, 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 aïe. Oh, quel bordel, quoi. Oh. Mais je me demande mais combien de milliers de personnes ont... Ouais, déjà 3000. Et on n'a pas encore tout vu. Hein. Jusqu'où elle est censée aller? Elle devrait disparaître ici. D'accord. Super. On va toucher un peu à ça, on va augmenter nos fours rotatifs. Industrie minière. Alors, c'est pas... C'est ça, la minière. Voilà. Usine de fibres de verre. Mais on doit changer tout ça en plus. 3200, 6400, bah oui. Faut qu'on change tout ça. Donc on va déjà augmenter de 1 on va augmenter de 1 actuellement nous en sommes là. Alors est-ce que c'est passé? Oui, c'est passé. Ok, ben on va arrêter l'épisode, on va juste voir un truc. Combien de personnes sont mortes? Nous avons 3114 personnes tuées, 159 bâtiments détruits, 3,5 km de route détruite et 264 mètres de rails détruits, de rails de train. Ok, bah écoutez, on va arrêter cet épisode ici. Prochain épisode, on va s'occuper de régler tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ce vers quoi on va vous plaît. Je crois que ça peut être vachement cool. Et du coup, ben, merci d'avoir regardé l'épisode et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez !